Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Une nouvelle question d'internaute que l'on va aborder aujourd'hui, c'est comment faire quand une amitié vous déçoit alors qu'elle durait depuis toujours ? La question ici, évidemment, on l'a bien compris, ça porte sur l'amitié, l'amitié qui évolue. Quand on grandit, on vit des choses différentes, ouais. On prend des chemins différents. Les valeurs évoluent parfois aussi et c'est pas forcément toujours facile à accepter ou à concilier quand on prend des chemins, des voies différentes. Alors, est-ce qu'il faut s'accrocher à cette amitié ? Est-ce qu'il faut tout faire pour préserver cette amitié ? Est-ce qu'il faut y renoncer et faire un deuil qui est difficile ? De nouveau, on a un peu d'informations, mais ça dépend un peu de l'envie qu'on a. Est-ce que j'ai envie ? Et je pense qu'il faut vraiment se recentrer sur moi. Est-ce que ça me fait du bien ou pas, quand je vois cette personne ? Est-ce que la déception aussi, parce qu'elle me déçoit, mais est-ce qu'elle me déçoit systématiquement, ou bien il y a eu une déception et un événement, et c'est une amie, et on a vécu plein d'autres choses ensemble, et donc je peux passer au-dessus, parce que je pense qu'il ne faut pas se dire, voilà, quelqu'un me déçoit une fois, je ne vais pas tourner la page. On a tous pu être déçus par des amis, des conjoints, enfin plein de personnes autour de nous, nos enfants, j'en sais rien, nos parents, et ce n'est pas pour ça qu'on a coupé les relations. Donc je pense que c'est ça, c'est important, c'est de se dire, voilà, est-ce que, d'abord, c'était ponctuel ? Et je pense qu'auquel cas, entre le poids de l'amitié et la ponctualité de la déception, je pense que la personne doit faire le choix, quoi. Donc, et se dire, non, en fait... Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment se recentrer sur est-ce que non, j'ai envie quand même de sauver cette amitié-là, parce que, j'ai envie de dire, au nom de toutes ces années ou de tous ces moments chouettes qu'on a passés ensemble... Ça vaut la peine que je me batte. Voilà, ça vaut la peine que je me batte, c'est exactement ça. Ou bien, est-ce que voilà, la déception, et ici peut-être cette personne parle de déceptions qui ont été récurrentes, et c'est vraiment l'amitié qui déçoit, c'est pas ponctuellement une fois mon ami m'a déçu, c'est voilà, j'ai l'impression que je peux pas vraiment compter sur elle, j'ai l'impression que moi je suis là pour elle, et en fait elle est jamais là pour moi, etc. Et donc, à ce moment-là, moi je dirais que, d'abord, c'est quand même voir est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie pour que ça change, parce que peut-être je peux me dire... Ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, je ne sais pas combien de fois, que cette personne me déçoit, qu'elle n'est pas là, qu'elle avait dit qu'elle serait là et puis qu'elle n'est pas là, que je lui avais demandé un service et qu'elle ne me l'a pas rendu, et que moi elle m'en demande, etc. Donc à ce moment-là, c'est d'abord, de nouveau, on revient à cette question quand même, est-ce que ça vaut la peine que je me batte, comme tu disais ? Et puis, pour se battre, alors je pense que la première chose, c'est de communiquer et de pouvoir peut-être, si je me dis j'ai envie de sauver cette amitié, si je veux garder une amitié, en tout cas relativement vraie avec quelqu'un, c'est peut-être important que j'aille lui dire, en fait, là, cette fois-là, j'étais déçue, t'as pas fait, ou ce jour-là, t'as parlé de moi dans mon dos, je sais pas, enfin, des choses qui peuvent arriver. Oui, après, on prend tous les deux des chemins différents, donc peut-être que l'autre n'a pas conscience non plus que ça crée en fait un déséquilibre, que c'est mal perçu, etc., parce que... Voilà, chacun exactement, a sa vie qui se exactement. Construit. Et c'est pour ça que je crois que ça vaut la peine de lui dire, et puis de voir. Après, je l'ai dit, est-ce qu'il y a un réajustement, et est-ce qu'avoir dit les choses aide ou n'aide pas ? Et donc se dire, en fait, je l'ai dit, mais j'ai l'impression qu'elle n'entend pas, j'ai l'impression qu'elle s'en fout, ou j'ai l'impression qu'elle ou il, je ne sais pas moi, dit oui, mais après qu'il n'y a quand même rien qui change. Mais à un moment donné, alors on va aller plus, malheureusement, pour la personne, si elle avait envie de se battre vers un deuil. Alors, ça peut être un deuil, il y a plusieurs deuils possibles. Ça peut être simplement le deuil de l'amitié avec cette personne, en se disant, voilà, elle reste dans mes groupes d'amis, mais c'est plus une amie, c'est plus quelqu'un pour qui moi je vais me bouger, et c'est plus quelqu'un à qui je vais aller me confier, etc. J'ai plus confiance, par exemple, ça peut être ça, la déception aussi. Ou bien, ça peut être carrément le deuil de la relation, et se dire, voilà, elle reste même pas dans mon contexte social, j'ai envie de dire. Et moi, c'est quelqu'un que je ne vois plus. Et ça dépend aussi des déceptions qu'il y a eu, évidemment. Ça peut être parce qu'une déception où la personne n'a pas rendu service, c'est pas la même chose qu'une déception où elle m'a complètement trahi, quoi. Donc, je pense que la blessure, ça dépend aussi de la blessure et de comment j'ai envie de me protéger. Enfin, si je trouve vraiment que cette personne me fait du mal ou si simplement
elle n'est pas à la hauteur de mon amitié. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. Et je pense que c'est important de nuancer. Quand tu parles de ces deux deuils, donc c'est quelque part le deuil de la relation passée, donc comme elle était voilà, avant. Voilà, c'est ça que je voulais et dire. Et je ne vais pas retrouver ça, en fait, oui. de cette oui. manière-là. C'est ça, c'est ça. Ou le deuil de la relation tout court. De la personne. Et de la personne. Voilà, et de ouais. dire, ben voilà, effectivement. Je la sors de ma vie. Mm. Oui. Mais c'est ça, c'est le deuil de l'amitié. L'ami sur qui je pouvais compter, à qui je pouvais me confier, etc. Mais ça n'empêche parfois pas de garder une nouvelle, de créer, d'avoir une nouvelle relation avec elle. Et l'autre, ce serait vraiment le deuil de la relation, point. Quoi. Le deuil de la personne et le fait de ne plus avoir vraiment de contact avec la personne. Je pense que c'est important, et je reviens peut-être sur la manière dont on travaille chez Virage, c'est que par rapport à n'importe quel problème, on va toujours se poser des questions, la question de... ce qui a été essayé. Donc ici, je ne sais pas ce qui a été exactement essayé. Mm-hmm. Et toujours se dire, voilà, j'essaye des choses. En général, j'essaye parce que moi, j'ai envie que. Enfin, on essaye des choses parce qu'on a un objectif qu'on vise. Et toujours se dire, bah, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Mm-hmm. Et ici, voilà, je trouve que c'est l'occasion un peu de le rappeler parce que cette logique-là, pour quel que soit votre problème, finalement, posez-vous cette question. Je suis en train de mettre en place des choses. Je vais vers ma copine. J'essaie encore de lui faire confiance. Elle me redéçoit. Ça ne fonctionne pas. Comment je peux, du coup, changer de stratégie et à un moment donné me dire, bah, tant pis, voilà, je la mets dans une autre relation ou je ne la vois plus. Ça peut être effectivement l'un ou l'autre pour me permettre à moi d'aller bien. Hein, parce que je pense aussi, tu disais au début, Peggy, et je trouve que c'est vrai, voilà, on évolue, nos valeurs changent, etc. Et donc, je crois qu'il y a des gens vraiment qui ne nous conviennent plus à certains moments de notre vie. Mm-hmm. Et je pense que c'est important d'en être conscient. Parce que si on se dit, je dois garder toutes les relations avec toutes les personnes que j'ai aimées quand j'avais 15 ans, mais en fait, je ne suis plus la même quand j'ai 25, quand j'ai 40, quand j'ai 60 ans. Je ne suis plus la même que quand j'avais 15 ans, ou même à 60, je ne suis pas comme à 40. J'ai pas les mêmes besoins, j'ai pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vie non plus, on a des amis desquels on s'éloigne aussi parce que voilà, on n'a pas les mêmes les conditions de vie, hein. L'un se met en couple, l'autre pas, etc. Et donc, je pense, certaines parlent que d'enfants et on se dit, bah, moi ça m'intéresse pas de causer que d'enfants, donc je pense que ça c'est important aussi, c'est vraiment de se dire, d'accepter le fait que notre vie c'est quelque chose qui avance et que donc il y a des choses qui changent. Et ça, c'est peut-être aussi un autre deuil à faire pour certaines personnes, c'est de se dire, voilà, ben voilà, j'évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça peut-être que j'ai envie d'insister un peu là-dessus, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les jeunes restent beaucoup plus en contact longtemps. Nous, il y avait la vie qui nettoyait quelque part. Alors, peut-être c'est un drôle de terme de dire nettoyer, mais qui faisait que... Il y avait, enfin, on se voyait plus moins que toi, hein, mais voilà, on se voyait plus physiquement. On pouvait pas garder de téléphoner. On avait des téléphones fixes, téléphoner à tout le monde tout le temps pour regarder. Tandis qu'ici, un petit WhatsApp, un petit message, ça va très vite. Mm-hmm. Et du coup, on garde beaucoup plus de contacts. Et donc, je pense que effectivement, ce tri se fait peut-être moins. Et donc, tout d'un coup, on peut se rendre compte à un moment donné qu'une personne correspond plus en fait à ce qu'on attend aujourd'hui d'une amie. Parce qu'on n'a plus la même vision de l'amitié, parce que voilà, la vie nous a tout simplement éloignés. Donc voilà, peut-être ça peut aider cette personne à faire le deuil aussi, de se dire que c'est quelque part normal aussi qu'il y ait un espèce d'élagage au fil de la vie. Et puis il y a des nouveaux amis aussi qui arrivent. Et voilà, je souhaite déjà plein d'amitiés, de belles amitiés à cette personne-là. Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.virage-consultation.com. Une équipe de coachs et de psy est prête à vous aider pour avancer autrement.